Bah, peuple gabonais, bonjour. Moi, je prends mes responsabilités. Je suis là devant le grand fortuné et Bitom. Je vous dis que Armel est malade. Et vous, quand on fait le combat, vous ne voulez pas accompagner les gens. Si Armel aujourd'hui allait faire une grève de faim, et il est tombé malade parce qu'il veut que l'Internet puisse baisser au Gabon. Moi, j'ai dit Armel Mikala, à partir d'aujourd'hui là, arrête-moi cette affaire des mots d'avion. Si les Gabonais ne veulent pas suivre le combat, je l'ai toujours dit, il n'y a pas un leader sans peuple. Le peuple fait faire un combat sans leader. Alors donc, tu n'as pas le droit de sacrifier ta vie pour aller faire un truc de mots d'avion où les Gabonais ne suivent pas. Même les Camerounais qui ont pris le mot d'avion derrière nous là sont plus nombreux. Quand tu demandes un Gabonais, il va te dire que je vais me mettre en mode avion, ma mère va m'appeler, ma copine va m'appeler. Ça, il veut dire que la cherté de la vie sur Internet leur plaît. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, là, je me désactive du mode avion. J'ai un autre combat, Ousseini, Liban, comment on appelle ça, Liwat, nous on fonce dessus. Là-bas aussi, je vous demande des cotisations sur les banderoles. Vous ne donnez pas aussi, je m'arrête. À chaque fois qu'on lance un combat, si les Gabonais ne réagissent pas, nous on s'arrête. Traitez-nous comme vous voulez. Parce qu'on est quand même fatigué de savoir que nous sommes au front. Vous êtes dans vos maisons. Quand il faut cotiser, vous ne voulez pas cotiser. Même prendre ton propre téléphone, l'éteindre pendant 2 minutes, vous ne pouvez pas. Mais vous voulez que le pauvre enfant, Armel, puisse se sacrifier, faire tout ce combat-là seul. Et après, vous serez nombreux à bénéficier de ce combat-là. Cette forme d'hypocrisie-là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, Armel, à chaque fois que toi, tu as eu le problème, moi, je me suis levé. Je te dis le tour-là. Le tour-là. Si tu continues avec moi d'avion, aller faire, comment on appelle ça, la grève de la faim. Mon petit, moi je ne serai pas là à venir payer les ordonnances. Je ne serai même pas là à venir faire un live pour dire que non, Armel est là-bas. Donc je parle là devant Fortuné. Et je vais publier cette vidéo-là pour qu'elle soit publique, au moins qu'il y aurait les témoins. Voilà. Ils sont là. Je passe la parole au grand Fortuné. Bon. Comme vous avez entendu, Ate, ma bonne ouate là, là, on dit ça, Ateke, comment? Voilà. Comme vous avez entendu Eric Otete parler, ce n'est pas un problème de mendicité. Le problème, c'est que tout le monde, nous tous, on ne peut pas faire la même chose. Chacun doit contribuer et mettre son effort à son niveau. C'est-à-dire que si toi, tu sais soulever les sacs, soulève. Mais soulève-la dans l'intérêt des Gabonais. Armel, laisse d'abord l'histoire de mot d'avion là. Laisse ça là. Parce que l'histoire de mot d'avion là-même, les gars de Ousseini et ses enfants sont en train de surfer dessus pour faire venir Orange au Gabon. Pose ça d'abord. Pose. Maintenant, nous, le vrai problème, c'est de rejoindre les gars, les syndicalistes des Eaux et Forêts, qui demandent le départ de l'EY. Si on arrive là-bas et que nous, on ne trouve pas, on demande à toute la population d'y aller. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Je vous ai dit, oubliez vos appartenances. Concentrez-vous maintenant sur la nécessité de sauver le pays. Donc, tout le monde au ministère des Eaux et Forêts. Si nous, on arrive là-bas et qu'on ne voit pas l'engouement autour de ces gars-là, vous allez entendre ce que nous, on va faire. Puisque vous pensez que nous, on ne peut pas faire autre chose que ce que nous faisons, vous allez entendre. Parce que vous ne pouvez pas mener... Vous êtes seulement là pour applaudir, bravo, mon fils, etc. Oh, mon fils, mon fils. Ça, là, on n'a plus besoin de ça. Nous voulons les gens qui revendiquent. Et la revendication, c'est pas, tu n'es même pas encore arrivé, tu vas t'asseoir à la maison. Donc, il y a ceux qui doivent contribuer à nous. Vous savez, on n'a pas besoin de vous citer ce qu'il faut faire. Mais tout le monde, je dis tous ceux qui sont à Libreville, doivent aller là-bas. À Comilog, c'est où là? Tous ceux qui peuvent aller là-bas, vous vous rendez. Il faut qu'ils sentent que nous ne sommes pas d'accord. On n'est rien contre les étrangers, mais c'est fini ça. Trop, c'est trop. Voilà. Bon, donc le rendez-vous est pris pour Comilog et aux Eaux et Forêts. Moi, quand j'arrive là, si je ne trouve pas les Gabonais là, quand j'ai fait demi-tour là, wallahi billahi, vous allez entendre parler de moi. Voilà. Donc là, Bitom est là. Si Armel n'est pas là parce qu'il a un problème de santé, parce qu'il veut faire grève de faim, oui. Je lui ai demandé de laisser mot d'avion au garage d'abord. Voilà. One love au peuple gabonais.